LEARN AND PLAY العب واتعلم هيا بنا Donc on va commencer dans quelques minutes, inshallah. D'accord Dans quelques minutes, on commence, inshallah. هيا بسم الله اكمن بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد donc les enfants j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, insha'allah, on va étudier quelques mérites et quelques sens du verset le plus important du Coran, du verset le plus important du Coran. Et ce verset, c'est Ayatul Kursi, Ayatul Kursi. لو 255 نميرو سورة البقرة دونك لو البقرة والله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Donc ça les enfants, c'est un seul verset. Et ce verset, quand on regarde dans le Coran, il fait quatre lignes. C'est-à-dire que tout le monde, tous les enfants qui font le minimum d'efforts, ils vont réussir à apprendre ce verset. Et on va voir l'importance de ce verset, les enfants. Durant toute ta vie, tu te dois de t'accrocher à ce verset. Ça veut dire quoi s'accrocher à ce verset C'est-à-dire le réciter. Le réciter le matin, le réciter le soir, le réciter avant d'aller dormir, le réciter. Après chaque prière, également, je peux aussi le réciter même dans mes prières. Et surtout, s'accrocher à ce verset. C'est-à-dire, il est important de le comprendre. Parce que celui qui comprend ce verset, cela va changer sa vie. Celui qui comprend ce verset, automatiquement, ce verset aura une influence, il va t'aider dans ta vie, surtout au niveau de la connaissance de ton Seigneur. Parce que le musulman, il doit connaître Allah. On ne peut pas vivre sans connaître Allah. On ne peut pas vivre sans savoir qui est Allah, qui est celui qui mérite d'être adoré. On se doit sans cesse de revenir. À notre Seigneur de lui demander son aide et surtout de le connaître. Et ce verset, le verset Ayatul Kursi, donc on va l'appeler le verset du Kursi, ce verset-là, il nous enseigne qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. également on avait vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été voir Ubay ibn Ka'b Ka Ubay ibn Ka'b Ka qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ubay ibn Ka'b Ka Ubay ibn Ka'b Ka il était un savant dans la compréhension du Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va voir Ubay ibn Ka'b et lui dit ya abal munzir oh abul munzir parce que Ubay ibn Ka'b, on pouvait l'appeler aussi abul munzir parce qu'il est de coutume c'est une sunna une tradition que chacun d'entre nous il a une kunia. Une kunia, c'est-à-dire Abu, et le nom, et un prénom. Même si tu n'as pas d'enfant, parce que Abu, ça veut dire le père. Un exemple, moi, ma kunia, c'est Abu Sirine. Parce que j'ai une fille qui s'appelle Sirine. Mais un exemple, si, même toi en tant qu'enfant, on peut t'appeler Abu Mohammed, même si tu n'as pas d'enfant qui s'appelle Mohammed. Et si tu es une fille, on va t'appeler Oum, un exemple, Oum Khadija. Même si tu n'as pas d'enfant qui s'appelle Khadija, mais n'hésitez pas les enfants à vous trouver une kunya. C'est-à-dire tu peux choisir. Tu dis ben maintenant on va m'appeler Abu Soleiman, Um Aisha, etc. Et Ubay ibn Kab, Ubay ibn Kab sa kunya c'était donc comme son surnom c'était Abu Al-Mundhir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir Abu al et lui a dit Est-ce que tu sais quel est le verset le plus important du Coran Est-ce que tu sais dans, parmi tous les versets du livre d'Allah est-ce que tu sais c'est lequel le verset le plus grand, le plus important abul mumvir par respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahu wa alam. Allah et son messager le savent mieux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a reposé la question la deuxième fois. C'est-à-dire la deuxième fois il lui a dit il lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il lui donnait une réponse. Il lui dit « Ya Abal Mounzir, Ya Abel Mounzir, Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam »« Sais-tu quel verset dans le livre d'Allah est le plus grand ?» il lui a dit « "Maraka, Avec toi » C'est-à-dire qu'Abul Mounzir ou Bayy ibn Ka'b, Il connaissait tous les versets du Coran. Il connaissait toutes les sourates, il connaissait tous les versets du Coran. Et là, sans prendre du temps, Ubay ibn Ka'bi lui dit Allahu la illa al al qayyum. Il lui dit que c'est le verset Ayatul Kursi. Et regardez ma Allah comment Ubay ibn il connaissait le Coran, il maîtrisait le Coran. Imaginez-vous sur le Coran, il y a plus de 5000, de 6000 versets. De la Fatiha jusqu'à Surat Nas, il y a des milliers de versets. Et lui, en quelques instants, en quelques minutes, il a répondu Allahou la ilaha illa, hu qayyum Il a répondu par ce verset. Et là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tapé sur sa poitrine. Il a tapé sur sa poitrine et il lui a dit Wallah, par Allah, la yahni kal ilm abel manzir. Il, lui a, il a invoqué pour lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala te, euh, wa ta te augmente ta science ou une chose semblable à cela. Et là on voit l'importance l'importance de la compréhension al Mumvir. Et on doit prendre exemple sur ce compagnon. On doit prendre exemple sur Ubay ibn Ka'b. Nous aussi dans notre vie, nous devons étudier le Coran. Nous devons apprendre le Coran. Nous devons étudier le Coran. Tu te dois, toi, en tant qu'enfant, tu te dois de t'intéresser. Lorsque tu récites le Coran, lorsque tu apprends le Coran, tu dois déjà te poser une question pourquoi j'apprends le Coran Pourquoi pour, C'est quoi le but que j'apprends toutes ces surates Est-ce que c'est simplement pour répéter des mots sans les comprendre Non. Ce n'est pas pour ça que je dois apprendre le Coran. Mais je dois apprendre le Coran parce que dans le Coran, Allah Tabaraka Ta'ala m'a demandé des choses. Allah Azza wa il m'a demandé des choses dans le Coran. Et dans le Coran, Allah Azza wa il m'a interdit des choses. Il y a des choses que je ne peux pas faire dans ma vie. Également dans le Coran, Allah tabaraka wa taala m'a cité, m'a conté des histoires, des peuples et des gens qui sont passés avant nous. Certains ils ont fait des très bonnes choses, donc je dois faire comme eux. Certains ils ont fait des choses très très graves, des mauvaises choses. Alors je dois m'en écarter et je ne dois pas faire comme eux. Donc toutes ces choses-là, comment je fais pour les comprendre Eh bien je dois comprendre le Coran. Je dois comprendre le Coran. Et c'est seulement en comprenant le Coran, en méditant sur le Coran, qu'à ce moment-là, je vais pouvoir l'appliquer. Je vais pouvoir faire ce qu'Allah me demande. Je vais pouvoir... M'écarter de ce qu'Allah azawajal m'interdit. C'est pour cela, les enfants, soyez curieux. C'est-à-dire curieux avec le Coran. N'hésite pas, lorsque tu apprends une sourate, essaye, pose les questions. Cherche, qu'est-ce que cette sourate elle veut dire? Qu'est-ce qu'Allah, il a voulu de moi? Qu'est-ce qu'Allah, il m'a demandé pour pouvoir le faire? Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout son comportement, c'était le comportement du Coran. Il vivait en appliquant le Coran. Et là, on voit que Ubay Ibn Ka'b, ce noble compagnon, il maîtrisait le Coran. Il maîtrisait la science du Coran, l'explication, la compréhension du Coran. Et également, Ubay Ibn Ka'b, أُبيَّ بنُ كعب، أن جور لو محمد صلى الله عليه وسلم، إي فاني لو فوار، يَدِي، يا أُبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، سيرت الله ما أوردوني، دو غيسيتي، دو تو غيسيتي لو قرآن، ألوغ أُبيَّ، il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit Allahu sammani Allahu sammakali Est-ce qu'Allah t'a cité mon nom Est-ce qu'Allah a dit mon prénom Est-ce qu'Allah il a dit Oubei Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit na'am il lui dit oui et Obey, il s'est mis à pleurer. Obey, il s'est mis à pleurer. Il lui dit, Allah, il a cité mon prénom. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Allah, il Allah, il a, il, il a dit ton prénom. Et là, Obey, Obey, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré tellement, il était joyeux. Tellement. Il était heureux qu'Allah Ta'ala ta a cité son prénom. Également les enfants, on voit ici et on en tire une leçon importante. C'est que toute personne, toute personne qui va aimer le Coran, qui va apprendre le Coran, qui va maîtriser le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal va l'aimer. Tu t'imagines, si tu aimes ce qu'Allah il aime, Allah il va t'aimer. Si tu aimes le Coran, Allah il va t'aimer. Et on en tire l'exemple d'un homme. Un homme qui est parti en voyage, en expédition. Et à chaque fois dans ses prières, Il répétait الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Il répétait قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. A chaque prière il répétait سورة الإخلاص. Ensuite, lorsque cela est parvenu au prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui dit salut. Il dit aux compagnons, allez lui demander. les pourquoi il fait cela? Pourquoi à chaque prière il récite cette surat. Alors l'homme il dit, Car cette Surat, elle décrit rahman elle décrit le tout miséricordieux, elle décrit Allah.

Pourquoi Allah il a aimé Parce qu'il a aimé réciter cette surat. Et en réalité, c'est pareil avec toutes les surat du Coran. Si tu aimes les surat du Coran, tu aimes étudier le Coran, tu aimes apprendre le Coran, tu aimes comprendre le Coran, et eh bien à ce moment-là, sache que tu vas gagner l'amour d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Également, parmi les grands mérites de ce verset qui est Ayatul Kursi, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de réciter ce verset chaque fois que nous allons dormir. À chaque fois que nous allons dormir, nous récitons ce verset. C'est-à-dire lorsque tu es prêt, lorsque tu es prêt de t'endormir, d'aller te coucher, il y a plusieurs choses à faire. Nous allons aujourd'hui en, en, en apprendre trois. Et si tu t'accroches à ces trois choses et que tu les fais à chaque fois que tu vas te coucher, sache qu'Allah te protégera. La première chose, fais tes ablutions. C'est-à-dire qu'il est important de s'endormir en état d'ablution. Si toi tu as déjà tes ablutions, un exemple, tu as prié la prière du Isha, et ensuite tu vas aller te coucher juste après. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de les refaire. Puisque le but, ce qui est important, c'est de s'endormir en état d'ablution. Et si tu n'as pas tes ablutions, dans ce cas-là, tu vas dans ta salle de bain, tu fais tes ablutions convenablement, tu t'essuies et ensuite tu vas aller dormir. Et tu t'endors en ayant tes ablutions. Eh bien, sache que si tu fais cela, si tu t'endors en ayant tes ablutions, Allah wa ta va t'envoyer un ange. Allah, il t'envoie un ange qui va te protéger. Toute la nuit. Et l'ange, il va demander à Allah, il va dire Allahumma oh Allah, pardonne-lui ses péchés. Fa ta car il est, il s'est endormi, il a passé la nuit en étant pur. Donc regardez, Subhanallah. Première chose, va te coucher en ayant tes ablutions, et tu verras que cela te sera bénéfique et que l'ange va faire des deux pour toi. Toi tu dors sur ton coussin, tu dors profondément et pendant que tu dors, Allah t'envoie un ange et l'ange il fait des invocations pour toi. La deuxième chose avant de te coucher, tu peux réciter sourate al Kafirun.

Donc, toi, tu t'endors sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid, sur le désaveu du shirk. Tu, tu rejettes le polythéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah. Et là, tu passeras la nuit de la meilleure manière. Également, la troisième chose, c'est de réciter Ayatul Kursi. C'est de réciter Ayatul Kursi avant, avant de dormir. Tu récites Ayatul Kursi avant de, de dormir. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire avant de dormir. Tu peux mettre tes mains, tu mets tes mains devant ta bouche, tu souffles dans tes mains et tu récites ahad, alfalaq, Et ensuite, tu les passes sur tout ton corps et tu fais cette opération trois fois. Également, tu te couches sur le côté droit et tu dis « Bismikallahumma amutu wa ahya » etc. Il y a plein de choses à faire avant de dormir et c'est important que vous appreniez une chose par une chose et que vous les appliquez. Et que vous les appliquez. Et on avait cité l'histoire d'Abu Hurayra. Abu Hurayra, radiallahu an, Il avait reçu la mission par le prophète sallallahu alayhi wa de réunir la zakat, les dons que les gens font pendant le ramadan. Puisque là, vous avez vu, c'est le ramadan. Et quelques jours avant le ride juste avant le Eid, vos parents vont sortir ce que l'on appelle une zakat. La zakat ou le fitr. C'est-à-dire, on va Sortir de la nourriture et on va nourrir les pauvres avec. Et vos parents, ils vont le faire pour eux, ils vont le faire aussi en votre nom. Parce que le fait de sortir cette zakat avant le Ramadan ou avant le Eid, pardon, Allah il va purifier notre jeûne. Parce que des fois, ben on a jeûné, mais on a eu un mauvais comportement. Où on n'a pas jeûné comme Allah le voulait, où on n'a pas assez adoré Allah. Donc en faisant cette zakat à la fin du Ramadan, Allah nous purifie tous les manquements que l'on a eus. Et au temps du prophète, salallahu alayhi wa sallam, il sortait cette zakat en date. Donc il prenait une grande poignée de dates et il la distribuait. Aux pauvres. et Abu Huraira, il avait tout stocké pour ensuite la distribuer. Donc les musulmans ils venaient, ils distribuaient leurs date, ils venaient, ils distribuaient leurs date. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Abu Huraira radiallahu anhu de surveiller cette zakat. Et un jour, une nuit, Abu Hurayra, radiallahu anhu, il a vu un homme, un vieil homme, faible, âgé, et qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Il volait la zakat, il volait les dates des musulmans. Alors Abu Hurayra, radiallahu anhu il a attrapé. Il lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu voles Je vais te ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'homme lui a dit Non, s'il te plaît, je suis une personne âgée, je suis faible, et il lui a, il lui a donné des excuses, je suis dans le besoin, j'ai besoin de cela, etc. Alors Abu Huraira, anhu, il a eu pitié de lui et il l'a laissé. Et lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain matin, le prophète alayhi salat wa sallam, il lui a dit Ya Abu Huraira, oh Abu Huraira, ma fa'ala asiru Qu'est-ce que ton prisonnier a fait hier Et il lui a dit, il lui a dit, il lui a expliqué. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ya'ud innahu qad kadabt. Il va revenir. Il va revenir car c'est un menteur. Et la deuxième nuit, la même chose. Et il lui a dit la même chose et Abu Huraira il a laissé. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est un menteur. Il va revenir. Et là, la troisième fois, il a trouvé ce même homme en train de voler ces mêmes dates. Alors là, il lui a dit, c'est trop tard. Là, ça fait trois fois. Je vais te ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il lui a dit, si tu me laisses, je vais t'enseigner quelque chose. Si tu fais cette chose-là, « Allah tabaraka wa ta'ala te protégera. » Il lui a dit, comment « Comment Toi, un menteur, un voleur, tu vas m'apprendre à moi ?» Mais les compagnons, ils étaient assoiffés de savoir. Ils voulaient apprendre la religion. Alors il lui a dit, « Vas-y, enseigne-moi, apprends-moi ce que tu veux. » Et là, cet homme, il lui dit, « Lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas te coucher, Récite Allahu la ilaha illa al qayyum. Récite le verset du Kursi. Récite ayatul Kursi. Et là, tu trouveras qu'Allah tabaraka wa ta'ala te protégera. Il n'y aura personne qui pourra te faire du mal. Et le shaitan ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Il ne pourra te faire du mal jusqu'au matin. Alors, Abu Huraira, anhu, il l'a laissé. Ensuite, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit Voilà ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai que si, lorsque je rentre dans mon lit, je récite Ayatul Kursi Je récite Ayatul Kursi, est-ce que c'est vrai que Shaitan ne m'approchera pas jusqu'au matin Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Amma innahu qad sadaqak. Certes il t'a dit vrai. Sur ce moment-là, il t'a dit la vérité, wa huwa kadhoub, alors que c'est un grand menteur. Ta'lamu man tu khatibu mundhu Ya Abu Hurayra. Et ensuite, le prophète sallalahu alayhi wa sallam me dit: O oh Abu Hurayra, est-ce que tu sais depuis quelque temps, avec qui tu parles Avec qui tu parles Avec qui tu t'adresses Il lui dit non. Il lui dit c'était Shaitan. C'était Shaitan qui avait pris l'apparence de ce vieil homme. Donc c'est Shaitan qui a dit à Abu Huraira que si tu récites Ayatul Kursi, avant de t'endormir, en ayant, en allant dans ton lit, tu seras protégé contre le shaitan jusqu'au matin. Et bien sûr, nous, on n'écoute pas le shaitan. Donc, nous, qu'est-ce qui fait qu'on prend cette information C'est que comme nous, on écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même Il t'a dit vrai. Là, le prophète alayhi wa il nous a dit qu'il avait dit vrai alors que c'est un menteur. Également, il est important, les enfants, de réciter Ayatul Kursi après chaque prière. Donc, tu vas réciter Ayatul Kursi après les cinq prières. Quand tu as fini la prière du matin et que tu as fait tes invocations, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, après tu récites Ayatul Kursi. Amen. La même chose après la prière du Zohor, après la prière du Asar. Après la prière du Mahrib, après la prière du Isha, tu récites Ayatul Kursi. Et si tu récites Ayatul Kursi après chaque prière, donc après chaque prière obligatoire, donc après les cinq prières obligatoires, le paradis t'est garanti. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher de rentrer au paradis. Donc là, les enfants voient l'importance de la prière. C'est pas normal qu'il y ait des enfants qui ont 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou même plus que cela, et qui ne prient pas leurs cinq prières. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est quelque chose qui ne doit jamais se passer dans ta vie. Allah, il t'a donné des rendez-vous. Tu dois y répondre. Allah il t'a demandé de prier. Tu dois lui obéir. Allah il t'a promis que si tu pries, il va te pardonner tes péchés. Allah il t'a informé que la prière c'était le chemin du paradis. Donc si tu refuses de prier, si tu n'aimes pas la prière, si tu ne veux pas prier, ben en fait, c'est que tu n'as pas envie d'aller au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Toute ma communauté entrera au paradis. Sauf celui qui le refuse. Sauf celui qui refuse d'aller au paradis. Mais qui va refuser d'aller au paradis Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Celui qui m'obéit entrera au paradis. Ah ben, mais celui qui me désobéit, il aura automatiquement refusé d'entrer au paradis. Donc, on voit ici l'importance de la prière, l'importance d'avoir ce lien, cette communication avec ton Seigneur. Donc, si il y a des enfants parmi nous aujourd'hui qui ne prient pas encore leur sainte prière, dès aujourd'hui, vous allez prier. Demandez à Allah de vous aider et promettez à Allah que jusqu'à la fin de votre vie, vous allez prier. Parce que c'est le chemin du paradis, c'est la prière, les enfants. Également, il est important de réciter Ayatul Kursi le matin et le soir. Il est important de réciter Ayatul Kursi le matin et le soir, donc dans la matinée. Je récite mes invocations du matin et je récite Ayatul Kursi. Et la même chose, je, le, je, je récite cette surat le soir. Donc voilà pour quelques mérites, les enfants. Quelques mérites du verset le plus important du Coran. Et n'hésitez pas à demander à votre Mohamed, à votre Mohamed, à, à celui ou celle qui vous enseigne de lui apprendre Ayatul Kursi. D'inclure cela dans votre programme. Parce que, comme on a dit, c'est le verset le plus important du Coran. On aura, là l'occasion d'expliquer ce verset. Mais pour que vous compreniez l'importance de ce verset, les enfants, dites-vous que ce verset, il comporte. Ce verset, il comporte. Plus de quinze attributs d'Allah, tabaraka wa ta Et cinq noms d'Allah, azzawajal. On trouve cinq noms d'Allah dans le verset. Et on trouve une vingtaine d'attributs. C'est-à-dire qu'Allah, il s'est décrit. On apprend à connaître Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce verset. Et ce verset, il commence par Allahu par le nom d'Allah, le plus beau nom d'Allah, le nom le plus important d'Allah. Tous les noms d'Allah, ils reviennent à celui-là qui est Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire Allah Allah, ça veut dire, donc pour que vous compreniez le mot Allah, il faut que vous compreniez deux choses. Allah, ça veut dire, c'est lui, la seule divinité, le seul Dieu qui mérite d'être adoré. C'est lui qui est le seul qui mérite d'être adoré. Bah, ben, on va dire pourquoi Pourquoi je dois adorer que Allah et je ne peux pas adorer un ange Pourquoi je dois adorer que Allah et je ne peux pas adorer un prophète alors qu'ils sont gentils les anges, ils sont gentils les prophètes. Mais pourquoi je dois adorer Allah et je ne dois pas les adorer Pourquoi je dois adorer Allah et je ne dois pas adorer une statue pourquoi je dois adorer Allah et je ne dois pas adorer un arbre, ou des étoiles, ou la lune, ou le soleil, ou des animaux, ou ceci, ou cela. Parce que Allah, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, parce que c'est lui le seul Dieu. C'est lui le seul qui m'a créé. Est-ce qu'un ange m'a créé? Non. Dans ce cas-là, je ne l'adore pas. Est-ce qu'un prophète m'a créé? Non. Dans ce cas-là, je l'adore pas. Est-ce qu'un arbre m'a créé? Non, dans ce cas-là, je l'adore pas. Est-ce qu'Allah il m'a créé Oui, dans ce cas-là, je dois l'adorer. Est-ce qu'Allah il voit tout Oui, dans ce cas-là, je dois l'adorer. Est-ce qu'Allah il entend tout Oui, dans ce cas-là, je dois l'adorer. Est-ce qu'Allah il surveille tout Oui, dans ce cas-là, je dois l'adorer. Est-ce qu'Allah il contrôle tout Oui, dans ce cas-là, cas je dois l'adorer. Donc Allah, ça signifie le fait qu'il est le seul. À posséder tous ses attributs. Et comme c'est Allah qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, qui contrôle tout, qui gère tout, qu'il dispose de tout, il voit tout, il surveille tout, il sait tout, il fait tout, subhanahu wa ta'ala, et eh bien automatiquement, la deuxième chose, c'est que je vais l'adorer. Quand je vais prier, je vais prier pour lui. Quand je vais jeûner, je vais jeûner pour lui. Quand je vais demander quelque chose, c'est vers lui que je vais me tourner. Quand je fais un péché, c'est vers lui que je vais demander le pardon. Si un jour je commets un péché, je ne dois pas dire pardon à mes parents. C'est pas à mes parents que j'ai désobéi, mais c'est à Allah. Si un jour je n'ai pas fait ma prière, et que ton papa ou ta maman te disent tu n'as pas fait ta prière, c'est pas à tes parents que tu dois dire, oh pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, c'est à Allah. Si un jour tu as fait des bêtises, c'est Allah que tu dois demander le pardon. D'accord, les enfants Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa jalla dit Allahu la ilaha illahu. Allah, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala, seul Allah mérite d'être adoré. Donc, voilà, les enfants, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Et puis, dans la inshallah le, 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 lundi prochain si nous sommes encore vivants lundi prochain on expliquera cette sourate. Donc on prendra chaque phrase et on l'expliquera insha'Allah. Donc c'est bientôt la prière du hasard Chacun fait l'adhan à sa maison et vous priez le hasard en commun en famille et vous pouvez dire à vos parents que dans à 18h30, il y aura un cours pour les parents. D'accord Il y aura un cours pour les parents pour ceux d'entre eux les parents qui souhaitent écouter, même vous si vous voulez l'écouter, j'ai envoyé le lien de la radio. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum les enfants Et je vous dis Assalamu alaikum Et bon courage à ceux d'entre vous qui ont jeûné Ceux d'entre vous qui ont jeûné Je vous souhaite un bon appétit Wa alaikum salam les enfants